Bonjour, je suis Julie Delpy. Salut, c'est Mathieu Demy. J'ai réalisé quelques épisodes. Nous sommes ce soir à l'avant-première de On The Verge, la nouvelle série de Julie Delpy. C'est une série qui se passe à Los Angeles. C'est l'histoire de personnes, de femmes, de couples, d'hommes, d'enfants qui sont amis, quatre amis. Elizabeth Shue, Julie Delpy, Alexia Lando et Sarah Jones. Qui ont à la fois des vies très différentes, des parcours très différents. Ils sont quarantenaires, cinquantenaires et qui continuent d'avoir des vies trépidantes et amusantes et folles et bordéliques. La série qu'on a tournée à Los Angeles est une comédie, on s'est beaucoup amusé à le faire. Alors, la genèse du projet, c'est très simple. J'avais envie d'écrire des personnages de femmes intéressants, forts, compliqués, complexes, cette sorte de kaléidoscope de femmes. Moi, je l'ai fait avec beaucoup de plaisir. On a réussi à faire quelque chose qui me plaît vraiment. C'est la première ce soir pour les abonnés de Canal. J'espère que les abonnés de Canal+ auront du plaisir à voir la série. Elle est diffusée seulement sur Canal+ à partir du 6 septembre. Alors, bonne projection et puis à bientôt. Les choses très ancrées dans la réalité, mais j'ai quelques épisodes où ça part dans un délire un petit peu. C'est vrai que je vis aux États-Unis assez longtemps pour pouvoir me permettre de me moquer un peu d'eux, parce que j'en fais partie d'une certaine manière. Merci beaucoup. Merci. C'est bien balancé, l'humour est cool, léger, et ça fait du bien de voir des scènes un peu comme avant, quoi. J'ai adoré, j'ai envie de voir la suite tout de suite. Et puis le mélange français, mélange anglais, moi qui parle pas anglais, ça m'a pas du tout dérangé. J'ai adoré qu'on a passé juste une super soirée franco-américaine. Son processus créatif est vraiment très intéressant. Du coup, je recommande à tout le monde d'aller voir cette série. C'était très rafraîchissant. Tous les films qu'elle fait, je trouve que c'est la vie, c'est la naturelle. On pourrait se retrouver dans la série avec les amis, etc. Moi, j'ai beaucoup aimé, vu qu'on a vu que les trois premiers épisodes, on reste un peu sur notre faim. Le fait qu'elle ait aussi inclus des moments très sérieux dans des moments très drôles. Ce qui fait que le sérieux et le drôle se mélangent. Et je trouve que c'est un très bon moyen pour faire passer des petits messages comme ça. Quand on est quinca comme moi, on se retrouve un petit peu dans certains personnages. Ça fait écho à des situations qu'on connaît. Il y a plein de sujets qui sont abordés, l'air de rien. Si on regarde en surface, on pense que c'est juste léger, mais en fait, c'est beaucoup plus profond que ça. Ça détend, il y a beaucoup d'humour. On voit aussi la culture américaine, comment elle est traitée. Surtout la scène finale. Oui, j'en dis pas plus.